Je vous remercie, Madame Garrido. Allez-y. Au bout du cinquième jour de débat, vous êtes démasqué. Il aura fallu attendre 5 jours pour que vous sortiez derrière de votre buisson et que vous dévoiliez le poteau rose. En réalité, comme vous l'avez dit, collègues, il ne s'agit ici que d'une étape. Et ceux qui n'ont pas encore passé, ceux qui ne sont pas encore passés au supplice, ils viendront bien rapidement. Messieurs, dames, les policiers, messieurs, dames, les pompiers, messieurs, dames, les surveillants pénitentiaires, les contrôleurs aériens, les militaires, les douaniers, les avocats, les danseurs de l'opéra, vous êtes les suivants sur la liste. Ne dites pas que vous ne le saviez pas. Marc Ferracci, notre collègue, est un proche du président Macron. Quand il parle, c'est l'Élysée directement qui vous parle. Mobilisez-vous, venez le 11 février en nombre. Vous êtes prévenus du danger. Et ne me dites pas maintenant qu'il ne s'agirait que d'un petit rapport de rien du tout. Parce qu'il faudrait savoir, soit votre loi sert à quelque chose et alors elle a une justification, soit elle ne sert à rien et alors il faut décidément la retirer. Je vous remercie. La parole est à M. Dharréville.